Mon prochain invité est professeur, journaliste, organisateur syndical, en fait plusieurs choses. Il est aussi un ex-felkiste arrêté et condamné en 70 à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre du ministre du Travail de l'époque, Pierre Laporte, et depuis 1982, jouit d'une libération, bien sûr. Et n'eût été en fait de votre décision, Paul Rose, de rentrer dans l'actualité par la porte la plus évidente, probablement que les gens se diraient encore « Ah oui, Rose, où est-il? Que fait-il? C'est pas bien grave. » Vous décidez de revenir sur la sellette. Oui, bien, j'y ai toujours été un peu. Hein. Oui. Depuis l'âge de 12 ans, en fait, mes premières activités publiques, c'était une grève dans une manufacture de fraises Alphonse Raymond à Longueuil. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas lâché. Ça n'a pas ralenti des masses. Non. Et là, vous décidez, alors ça aussi, c'est un peu à contre-courant, si vous me permettez. Au moment où beaucoup de gens ont une grosse désaffection de la vie politique et des partis politiques en particulier, vous tentez d'obtenir l'investiture pour la candidature néo-démocrate dans une circonscription montréalaise. Donc, de devenir député éventuellement. Oui. Ça, c'est quand même un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je pense que la politique, on a assez de politiciens drabes. Quand même, on peut mettre un peu de couleur là-dedans. Je pensais pas. Je pense pas que ce soit votre seule raison. Non, pour, parce que là, la lutte risque d'être longue devant vous. Donc, c'est pas uniquement pour vous amuser, ni ici, ni à l'Assemblée nationale, éventuellement. Non, ou même à Ottawa, où il y aurait beaucoup de rire à faire. Remarquez que ce coup-ci, j'ai pas tellement de chance, légalement parlant. Oui. Mais je prépare le prochain. Parce qu'effectivement, il y a une opposition légale importante au fait que vous puissiez ou pas être candidat. Théoriquement, si on est, c'est votre cas en ce moment, vous êtes à l'extérieur des murs, mais techniquement, vous êtes condamné à perpétuité. Donc, vous ne pouvez pas être éligible. C'est aussi simple que ça, là. Faut s'entendre que c'est au Québec que je ne peux pas être éligible. C'est la loi électorale québécoise, parce que, assez bizarrement, la loi fédérale me permet de me présenter. Ça, c'est la joie des deux systèmes. Il y a parfois des incongruités. Mais ça peut, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas ignorer la loi québécoise. Oui. Parce qu'à d'autres égards, vous comprenez que la loi québécoise électorale a beaucoup d'avantages sur la loi fédérale, entre autres au niveau des mœurs et des fonds secrets dans les partis. Mm. Bon, on sait exactement ce qui se passe actuellement avec le Parti conservateur et tout ça. Mais au provincial, avec la loi qui était amenée par M. Lévesque, il y a sensiblement une amélioration assez grande. Mm. Mais il y a quand même certains aspects de la loi qui restent, à mon avis, à être corrigés. Il y a une chose, entre autres, qui peut surprendre, c'est que quand on est prisonnier, on a droit de vote. Oui. Ouais. Mais quand on est prisonnier bénéficiant d'une libération conditionnelle à l'extérieur des murs, comme c'est votre cas, on ne peut pas être candidat. Il y a quelque chose d'un peu... C'est assez bizarre, parce qu'on n'a pas le droit de vote au fédéral. Vous voyez, c'est encore mélangé. Mm-hmm. On a à peu près tout ce qu'il peut y avoir de plus mélangé ici, dans ce pays-là, ou ce double pays-là. Alors, on n'a pas le droit de vote au fédéral, on a le droit de vote au provincial. Par exemple, au référendum, on a pu voter. Mm. Alors, ça, c'est des choses qu'il va falloir changer. On va s'enligner un peu. Clarifier ça. À moins qu'on veuille vivre mélanger toute notre vie. Oui, ça, c'est... Oui. Juste à lire les réactions qu'a suscité l'annonce de votre intention, on se rend bien compte du débat qu'il pourrait avoir devant vous, même si vous aviez le droit. La presse anglophone, par exemple, titre tout de suite « Laporte's killer », « ex-felkiste », etc. Les journaux francophones sont plus nuancés, en tout cas, présentent ça d'une autre façon. Mais est-ce que ça ne représente pas aussi deux points de vue dans la population? Autrement dit, est-ce que les gens sont prêts à accepter quelqu'un comme vous, dont on dit par ailleurs que vous êtes réhabilité, encore au sens le plus classique du terme? Oui. Mais il y a quand même des gens qui vont se dire, quand même, ouais. Il a beau nier, ce gars-là a été condamné pour un meurtre il y a 20 ans de ça, et maintenant on en ferait un député. Oui. Il faut quand même comprendre aussi que à cette époque-là, les procès qu'on a eus, moi, je n'ai pas été présent à mes procès. Il n'y a pas grand-chose d'être présent à cette époque-là. Je n'ai pas été présent à mes procès. Ces procès-là se sont faits in abstentia. Alors, se sont faits dans une caserne militaire, ça s'y appartenait, pas dans un palais de justice. Et c'est sûr que les candidats jurés, les jurés avaient à délibérer, à passer les barrages de police, parce qu'on était sous la loi des mesures de guerre et après ça, sous la loi des mesures d'urgence, pour venir délibérer. Ils devaient délibérer dans l'auditorium de police, avec tout ce que ça peut entraîner. Et la Cour d'appel n'a pas cru bon, malgré qu'on avait 23 points là-dessus, nous accorder un procès. Je pense qu'il faut quand même mettre ça dans cette perspective-là. Et les gens ne sont pas complètement abornés au point
de ne pas faire la part des choses. À l'époque, vous disiez de votre action à l'intérieur du FLQ qu'il ne s'agissait jamais de prendre le pouvoir, mais plutôt de déclencher un processus de réflexion. Je pense que c'est une chose que vous avez répétée sans arrêt. Est-ce que c'est parce que ces moyens-là, Vallière avait fait la même constatation à un moment donné, n'ont pas suffi et ne suffiront pas, que vous décidez de revenir par une autre voie d'action et de réflexion, celle des partis politiques? Oui, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, parce qu'il n'y aurait pas eu de FLQ 70 si les voies démocratiques n'avaient pas été bloquées. Et la jeunesse que nous étions, assez engagée, même profondément engagée, on se voit à un moment donné bloquer toutes les avenues politiques, en particulier la rue. On sait combien c'est important depuis les Grecs, depuis les Mostènes, toute la possibilité qu'a une population de pouvoir manifester son mécontentement ou tout au moins son approbation à certaines politiques par la rue. Et ça, ça nous a été interdit par le règlement anti-manifestation, qui a été d'ailleurs renversé par la Cour suprême quelques années plus tard. Il y a eu aussi toute la déstabilisation, parce que moi, j'étais quand même des comités ouvriers, j'étais un groupe de finissants à l'université. On allait partir dans les différents quartiers des comités ouvriers qui sont en fait devenus les ancêtres des CLSC, avec en donnant certains services. Et c'est sûr que dans ça, il n'y avait pas seulement des médecins, pas seulement des psychiatres, pas seulement des avocats, mais il y avait aussi des gens qui avaient des formations, une formation en sciences politiques. Et ça a été ça, tout ce blocage-là par les descentes systématiques policières en 69 qui ont fait que c'était plus possible d'opérer de cette façon-là. On arrivait, par exemple, je me souviens, dans le comité ouvrier Saint-Henri, les policiers ont fait une descente et ont tout mis le fichier sur la rue, descendu le fichier. Ça comprendrait que les gens dans le quartier ne sont plus revenus de sitôt à cet endroit-là. Après ça, il y a eu le coup de la brinque, c'était qui a entaché tout le processus électoral auquel on croyait aussi à cette époque-là. Et c'est ça qui nous a amené à... Quand je parle du coup de la brigue, c'est avril 70. Alors, on n'est pas loin d'octobre. Et ça c'est tous les événements. Le blocage, finalement, c'est parce qu'on croyait beaucoup à la démocratie qu'on s'est embarqué dans ces événements-là. C'est assez bizarre, un retour des choses. Oui, puis il y a des gens qui vont vous dire que c'est une façon bizarre de croire à la démocratie. Mais enfin, là, étonnamment, 20 ans après, Paul, vous nous dites que la situation n'est plus la même et je suis prêt à prendre le risque de la lenteur électorale et des partis et tout ça pour y aller quand même. Oh, c'est pas si lent que ça, le processus électoral, quand même. Là, ça dépend comment qu'on se prend. Demandez ça aux gens du Parti québécois, ils ont ramené. Oui, mais c'était très rapide, vous comprendrez. Il y a des pays que ça a pris beaucoup plus de temps que ça à l'arrivée de la libération. Le Parti québécois a été fondé en 68 et a pris le pouvoir en 67. Alors ça, c'est 10 ans, moins de 10 ans après. C'est très, très vite. On n'a pas conscience ici. Peut-être les gens qui sont d'origine européenne pourraient nous donner un sens de l'histoire. Oui, la relativité un peu, mais c'est différent comment des fois on n'a pas conscience comment ça va rapidement. Vous avez bien raison. En tout cas, c'est un débat qui va se suivre, je pense, avec beaucoup d'intérêt dans la société parce que le droit de participer, dans la mesure où quelqu'un veut l'exercer, ça reste, je crois, un des fondements de la démocratie et votre démarche là-dessus. On comprend qu'il peut y avoir un moratoire après sortir de prison, mais dans mon cas, dans le cas de d'autres felquistes qui ont des ex-felquistes, qui ont des sentences de vie, ils n'ont plus aucun droit de se présenter jusqu'à la fin du jour sans possibilité de recours et d'appel. Tout ça parce qu'on n'a pas le statut, évidemment, de prisonnier politique. Entre autres, qui pourrait... C'est un autre problème. Paul Rose, merci beaucoup. Une autre différence avec l'Europe. Au revoir.